Bonsoir mesdames et messieurs. Au nom de la batterie fanfare de l'Epi d'Or d'Entraigues, je vous souhaite la bienvenue pour notre tout premier cyberconcert. Durant ces 2 dernières années, et ce malgré la crise sanitaire qui frappait le monde entier, nos musiciens n'ont eu de cesse de s'exercer afin de vous proposer des prestations de qualité ainsi qu'un répertoire toujours renouvelé. Depuis notre dernier concert, en 2019, ce ne sont pas moins de 5 morceaux qui sont venus apporter un vent de fraîcheur à notre programme. Mais à quoi bon apprendre de nouvelles compositions si nous ne pouvons pas les jouer en public? Aussi, face à une épidémie qui n'en finit pas d'en finir, à grand renfort de vagues successives et autres passes sanitaires, avons-nous pris la décision qui s'imposait. Puisque le public ne peut pas venir à nous, c'est nous qui irons au-devant du public. Grâce aux formidables outils que sont les plateformes de streaming, les GoPro et les logiciels de montage, nous sommes en mesure de vous proposer un concert aussi proche que possible des conditions réelles. Vous ne les voyez pas encore, mais derrière ce rideau, nos musiciens arborent un large sourire. Ils sont tellement heureux à l'idée de pouvoir enfin vous montrer leur savoir-faire que c'est tout naturellement qu'ils vont vous interpréter en ouverture Le Joyeux Musicien de Sonville. Nous allons à présent délaisser le registre classique de la batterie fanfare pour voyager dans le temps et l'espace. Bienvenue aux États-Unis des années 30. À cette époque, le jazz, qui était à l'origine essentiellement conçu et écouté par les Afro-Américains, commence à avoir le vent en poupe, notamment grâce à la multiplication des big bands, mais aussi et surtout grâce à l'apparition d'un nouveau courant musical, le swing. De par son rythme très souple et bondissant, le swing va ainsi universaliser le jazz en lui insufflant une dimension à la fois festive et dansante. C'est justement dans cet esprit que le prochain morceau a été composé. Alliant la marche de la batterie fanfare à la syncope du swing, voici Swing March de Guy Coutançon. Autre pays, autre style musical. Né à Cuba en 1954, le cha-cha-cha fut inventé à l'origine par le violoniste Enrique Rorin, afin de simplifier les airs de mambo pour les danseurs et leur permettre de reprendre leur souffle. De fil en aiguille, le cha-cha-cha est devenu un genre musical ainsi qu'une danse à part entière. Le prochain morceau sera donc un cha-cha-cha, interprété au glockenspiel, un instrument de la famille des percussions, composé de lames de métal, dont la sonorité claire rappelle celle d'un carillon. Voici donc, rien que pour vos oreilles, Glock Cha Cha de Pascal Lécuyer. Cette vidéo est sponsorisée par les patates de Bubus. Vous désirez accompagner votre steak avec de succulentes frites? Vous souhaitez adoucir votre plat de résistance avec une onctueuse purée? Ne cherchez plus et contactez dès à présent Bubus, notre spécialiste local en pommes de terre. Que vous soyez plutôt Rosabelle ou Mona Lisa, Bubus saura répondre à toutes vos attentes, et toujours avec le sourire. Les patates de Bubus, on en veut toujours plus! Pour une bonne partie d'entre nous, le cow-boy renvoie à l'image d'un homme libre, solitaire et nomade, mais aussi à la gâchette facile. Cette caricature, véhiculée entre autres par le western spaghetti, est on ne peut plus éloignée de la réalité. La mission première du cow-boy était d'effectuer la transhumance, soit conduire les bêtes à travers le sud des Grandes Plaines, à une époque où le chemin de fer était encore en construction. Une tâche pour le moins ardue, puisqu'il fallait faire avancer une masse mouvante et imprévisible, composé environ de 3000 bêtes sur 20 à 40 km par jour. En fonction de la route empruntée et des imprévus, le voyage pouvait s'étendre jusqu'à 6 mois. Outre son lasso et son indispensable Stetson, le plus fidèle ami du cow-boy reste son cheval. Car c'est à cheval que l'on attrape les bêtes pour les marquer, qu'on les dirige dans la prairie et qu'on parcourt les longues distances que requiert la transhumance. C'est donc au rythme des sabots du cheval que nous allons à présent vous interpréter Le Petit Cowboy de Richard Rejel et Patricia Guénon. Après les plaines arides du Far West, nous allons maintenant affronter le froid mordant de la Russie sibérienne. Troïka, dans la langue de Léon Tolstoï, désigne avant tout un moyen de locomotion. Il s'agit d'un grand traîneau attelé à 3 chevaux de front. Durant l'écoute du morceau, essayez d'imaginer ce traîneau glissant sur la neige au milieu de la toundra, accompagné par le doux tintement des grelots. Voici Troïka de Jacques deVaux. L'araignée, l'araignée, il vendait fromage parfumé, à la foire, au marché, impossible de le manquer. Goûtez les produits de l'araignée. L'araignée, l'araignée, notre vendeur attitré. Désormais, vous savez à qui vous adressez. Achetez les produits de l'araignée. Achetez les produits de l'araignée. Notre concert touche à sa fin. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Sachez que nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochain concert que nous espérons le plus tôt possible. Et pour être sûr que vous ne serez pas en retard, nous allons vous interpréter notre tout dernier morceau. Alors réglez vos montres, car voici venir Le Chant des Horloges de Patrick Poutoir. He said,